déboutons. Ce livre fameux de Louis Pergaud va revivre sur l'écran de cette salle. Ce film va nous restituer un instant de notre vie d'enfant. Mes lunettes, les gars, vous avez pas vu mes lunettes? Notre vie enthousiaste et brutale de vigoureux sauvageons dans ce qu'elle eut de franc et d'héroïque. N'empêche, mon temps, j'aurais bien fait la même chose, moi. Moi, je connais un gars qui est adjudant. Il est vachement intelligent, mon vieux. Il a son certif. Tu veux que je te dise, dans la vie, le chef, c'est celui qui a le plus grand zizi, puis c'est tout. Un film qui n'a pas craint l'expression crue, à condition qu'elle fût savoureuse. Mais que va-t-on lui couper? Les oreilles, la langue, puis zizi! Qui n'a pas craint non plus le geste leste, à condition qu'il fût épique. Un film sain, à la fois gaulois, épique et rabelaisien. Oh, le plus gros mot qui commence par C, qu'est-ce que c'est? Je connais pas de gros mot, moi. Un film où coule la sève, la vie, l'enthousiasme et aussi le rire. Le calvaire, ça n'a jamais fait de mal à personne, hein? Ah, avec ça, tu vas t'avaler comme un lapin, tu vas voir. Ça va dire bien? Comment tu te sens, hein? Mais il est rond comme un boudin. Vous aurez le droit de rire. La liberté de rire. Ah! Que dis-je? Le devoir de rire. T'appelles ça boutonné, toi? Il touche pas! T'abîmes toujours tout avec tes grosses pattes. Mais quoi, ça m'a resté dans la main. Vous croyez, j'ai aussi bousillé mes boutonnières. Ces boutonnières? D'ailleurs, elles servaient plus à rien, j'ai plus de boutons non plus. Je m'en fous, je veux dire bouton, bouton toute la journée. Puis s'il me demande pourquoi, j'y dirai, moi. Tu vas faire bouton. Ah non, silence. Bouton, bouton. Qu'est-ce qu'il y a, Bacaillé? Il y a monsieur, j'ai un bouton. Qu'est-ce que tu dis? Bouton, monsieur, je dis bouton, piflatou. Eh ben, faudra te faire soigner, mon petit père. Avec son gosse. Les parents. L'instituteur. Mais vous, vous viendrez voir...